L'écho, l'écho de ton village me rappellera toujours le son de ta voix. Eh bien, bonsoir et bienvenue à l'émission L'écho de mon village, cette émission musicale qui nous fait connaître des artistes invités de la région et d'ailleurs. Comme invité cette semaine, nous avons Pierrette Dion de Saint-Martin Canadien, Denis Charest de Thetford Mines, Solange Rossignol de Disraeli, ainsi que les danseurs. Comme première invitée, je vous demande d'accueillir très chaleureusement Mme Pierrette Dion. Bonjour, Mme Dion, ça va bien? Bonjour, merci, ça va bien, oui. Vous avez commencé ça à quel âge, vous, chanter? Oh, très jeune, très jeune. Très, très jeune? Oui. Ça veut dire une quinzaine d'années? Oh, plus bas que ça. Plus bas que ça. Vous allez nous faire quoi comme première pièce aujourd'hui? Aide-moi à passer la nuit. Claude Ballade, je crois. Oui. Mets ta main dans mes cheveux. Parle-moi dans un murmure. Je veux fondre dans tes yeux. Comme les ombres sur le mur. Viens t'étendre près de moi. Mets ton corps tout près du mien. Passe la nuit dans mes bras. Aime-moi jusqu'à demain. Je ne sais si c'est bien ou mal. Je me fous de ce qu'on dit. Ce soir, ma vie me fait mal. J'aurais besoin d'un ami. Ce qui s'est passé hier, il faudra que je l'oublie. C'est trop triste d'être seul. Aide-moi à passer la nuit. Ce soir, ma vie me fait mal. J'aurais besoin d'un ami. Ce qui s'est passé hier, il faudra que je l'oublie. C'est trop triste d'être seul. Aide-moi à passer la nuit. Non, je ne veux plus être seul. Aide-moi à passer la nuit. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Mme Dion. Et comme deuxième pièce, vous allez nous faire quoi? C'est dur d'être humble. De Hugo Frey, je crois. Oh, je pense pas. Que oui. Ça peut. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, il se regarde dans la glace. Ah, oh, ce qui peut être beau, garçon. Reconnaître, c'est l'aimer. Il doit être tout un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure qu'il fait tout ce qu'il peut. Il y avait une petite amie. Mais elle a dû démissionner à cause
de toutes ses filles. Ils viennent se traîner à ses pieds. Ils pourraient s'en trouver une autre. Mais ils grèvent la peine à des centaines. Il s'en fout, il peut pas s'ennuyer. Car il aime beaucoup se parler. Oh Dieu, que c'est dur d'être humble. Quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, il se regarde dans la glace. Ah, oh, ce qu'il peut être beau garçon. Le connaître, c'est l'aimer. Il doit être tout un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure qu'il fait tout ce qu'il peut. Vous pouvez dire qu'il était solitaire. Un type renfermé, tête enflée. Il pourrait avoir beaucoup d'amis. Mais il manquerait de temps pour s'admirer. Les gens disent qu'il est égocentrique. Il sait même pas ce que ça veut dire. Je crois qu'ils sont jaloux du fait qu'ils remplissent si bien ses jeans. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble quand t'es parfait de toutes les façons. Chaque matin, il se regarde dans la glace. Ah, ce qu'il peut être beau garçon. Le connaître, c'est l'aimer. Il doit être tout un amoureux. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure qu'il fait tout ce qu'il peut. Mon Dieu, que c'est dur d'être humble. Mais je vous jure qu'il fait tout ce qu'il peut. Eh bien, merci beaucoup, Mme Pierrette Dion. Notre deuxième invité cette semaine, il est natif de Gerbé-Beaulac. Il habite maintenant à Thetford Mines. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, M. Denis Charest. Bonjour, M. Charest, ça va bien? Oui, ça va très bien. Vers quel âge vous avez commencé ça, la musique, vous? 27 ans. 27 ans, vous avez commencé ça sur le tard. Pas drôle, hein? Puis je pense que vous venez d'une famille aussi, que la musique, c'est très important pour vous autres. Oui, c'est ça. Ma mère, elle chantait du matin au soir, puis mon père jouait de l'accordéon. Ah, c'est bon. Puis à un moment donné, ben, on a décidé, moi et un chum, d'apprendre à jouer de la guitare, puis un an après, on jouait dans les salles. Ça n'a pas été long? Ça n'a pas été long, on a gratté. On a vraiment gratté. Hein? Vous allez nous faire quoi comme première pièce aujourd'hui? Ça va être Charambi. Charambi. Oui, c'est une chanson de Viateur Caron. Et c'est bon, on y va avec Viateur Caron. Charambi, c'est mon cœur qui te parle. Charambi, pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi l'amour, un brin de fantaisie? Un tout petit jeu qui plaît à Charambi. Me disais, ne t'en fais pas, car dès demain, tu m'oublieras. Charambi, je pleure à chaque nuit. Charambi, écoute-moi ce soir. Ce n'est pas bien d'aimer en étourdi. Et c'est ainsi l'amour de Charambi. Thank you.
toi qui me fais souffrir. Pour l'amour, tu le savais si bien. De tout mon cœur, de tout mon âme, je t'aime. Le désir, je le trouvais partout. Maintenant, mon rêve est brisé. De toute ma vie, je me souviendrai. Charambi, pourquoi t'es fini? Charambi, je ne veux plus sourire. À nos amis, je leur dirai ceci. J'ai perdu l'amour de Charambi. Oui, j'ai perdu l'amour de Charambi. Eh bien, merci beaucoup, M. Charest. Merci. Je pense que vous avez fait un album aussi, hein? Oui, j'ai fait un album, là, ça fait à peu près 8 ans. Puis, c'est pour se le procurer, on fait quoi? Ben, c'est surtout sur Facebook. Sur Facebook. On charge Denis Charest sur Facebook, puis tout est là, là. On peut se procurer ça, là. Puis, ouais. Comme deuxième pièce, vous nous faites quoi? Je vais faire Un terrible accident, une chanson de Hertz Leblanc. C'est par un beau dimanche au soir, avec mes amis, en buvant quelques verres, en revenant à la maison, j'ai causé un terrible accident. Ma femme, mes deux petits enfants ont perdu la vie dans cet accident. À cause de la boisson au volant, c'est pour la vie qu'on me met en prison. Je vous en supplie, mes chers amis, soyez toujours prudents au volant. Ne buvez pas, ne faites pas comme moi, car la boisson m'a conduit en prison. C'est à Dieu que je demande pardon. À tous les soirs, en faisant mes prières, assis sur le bord de mon lit, en prison, là où je passe ma vie. La vie dans cet accident.
chanson. Oui, c'est pour la vie qu'on me met en prison. Alors, merci beaucoup à M. Denis Charest. Ma prochaine invitée aujourd'hui à l'écho de mon village, elle est native de l'Abitibi. Elle habite maintenant à Disraeli. Veuillez accueillir, mesdames et messieurs, Mme Solange Rossignol. Bonjour, Mme Rossignol, comment Bonjour. Ça va? Bonjour, ça va toi? Ça va très, très bien. Moi en aussi. Passant, Mme Rossignol, elle vient danser à tous les vendredis soirs à Disraeli. Je fais des soirées de danse. Puis là, tous les soirs, les danses, elle les connaît toutes, du début jusqu'à la fin. Puis vous allez nous faire quoi aujourd'hui, Mme Rossignol? Je vais te faire « Quand papa tenait maman par la main ». Une valse lente. Une valse lente, c'est ça. J'ai vécu 20 ans de ma vie avec mon papa et maman sur la ferme où je n'étais qu'un enfant. C'est auprès d'eux que j'ai grandi, en les servant, en les aimant. Ils étaient les plus beaux des parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours de la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main. Années ont passé, la ferme est abandonnée et tout le troupeau est dispersé. Dans un petit lopin de terre, derrière la vieille église, c'est là que reposent mes chers parents. Le dimanche, on allait à l'église pour entendre parler de celui qui nous a tout donné. Oui, c'était là les plus beaux jours. Quand papa tenait maman par la main. Eh bien, merci, Mme Rossignol. Et comme deuxième pièce, vous allez nous faire quoi? Une pièce de Jeannine Savard, Là où je viens. Une valse. Oui, c'est une valse. Là d'où je viens, il y avait ma mère, il y avait mon père, mes sœurs et frères aussi. Là d'où je viens, il y avait des grands-parents qui nous ont donné le meilleur de leur temps. De grands champs de blé, des épis d'or, une rivière clôturait la terre. Un tendre hommage à ces travailleurs, gens de cœur, gens de labeur, gardiens de la terre et d'espérance. Où l'on retrouve la foi, la confiance. Ils nous ont laissé comme héritage ce don précieux qui est le courage. Là d'où je viens, il y avait ma mère, il y avait mon père, mes sœurs et frères aussi. Là d'où je viens, il y avait des grands-parents qui nous ont donné le meilleur de leur temps.
Où est la maison de nos souvenirs, les arbres et les fleurs que nous ont vu grandir? Combien de gens on a connus aujourd'hui sont disparus. Je chante pour ceux qui aiment la vie, pour tous ces grands et petits enfants qui ont des projets d'amour plein le cœur et qui en tireront des jardins de fleurs. Là d'où je viens, il y avait ma mère, il y avait mon père, mes sœurs et frères aussi. Là d'où je viens, il y avait des grands-parents qui nous ont donné le meilleur de leur temps. Là d'où je viens, il y avait des enfants qui sont devenus eux aussi des parents. La prochaine prestation, ça va être une danse. Je vais vous présenter les danseurs. Tout d'abord, Mme Fernande Quirion, native de Sacré-Cœur-de-Marie, habitant maintenant à Disraeli. Mme Nicole Ménard, originaire de Tsingwick, habitant maintenant à Disraeli. Elle a déjà gagné un concours de twist dans la région de Victo. Mme Cécile Baron, originaire de Whedon, habitant maintenant à Disraeli. Elle est la neuvième d'une famille de neuf. Ils ont déjà eu la salle Bellevue à Coleraine durant 15 ans. Madame Nicole Côté, originaire de Saint-Jacques-le-Majeur, habitant maintenant à Disraeli. Elle est la quatrième d'une famille de six. Nicole a commencé la danse en ligne en 2012 et elle est professeure de Reiki à Disraeli. Madame Luce Gagné, originaire de Disraeli et maintenant à Saint-Joseph-de-Coleraine. Elle est la troisième d'une famille de cinq enfants. C'est la factrice du village. Elle danse depuis environ 10 ans. Madame Guylaine Dubé, originaire de Victoriaville, habitant maintenant à Coleraine. C'est de elle qui est venue l'idée de l'émission L'écho de mon village. Madame Doris Marcoux, originaire de Black Lake, habitant maintenant à Disraeli. Elle est la huitième d'une famille de huit, donc le bébé de la famille. Elle a commencé à danser dans les soirées, dans les galas amateurs depuis environ 14 ans. Madame Solange Rossignol, originaire de Saint-Luc-la-Motte, en Abitibi, et maintenant à Disraeli depuis 1961. Sixième d'une famille de huit enfants. Elle a beaucoup dansé au cours de sa vie et son mari tous les samedis soirs et dans toutes les occasions à Disraeli et les alentours. Et finalement, Mme Lise Routier, originaire de Robertsonville, elle habite maintenant Thetford Mines. Elle est l'aînée d'une famille de six enfants. Gérante de la salle de quilles de Black Lake pendant plusieurs années, elle a débuté la danse à la salle de Coleraine dans les années 80. Et nous allons débuter cette danse avec un Beautiful Girl, avec une chanson de M. Lévi Bouliane, Guide-moi vers ma maison. Cinq, six, sept, huit, guide-moi vers ma maison. Je suis encore loin de chez moi, et j'y voyageais en vain. Aux longueurs des jours et des nuits, j'ai marché seul sur mon destin. Il faut maintenant revenir, car j'ai besoin d'un sourire qui m'accueillera demain. Au terme de ce long chemin, oui, guide-moi vers ma maison. Oui, guide-moi vers mon pays. L'étoile, le qui brille sur moi. Vers mon ami.
Je vois le toit de ma maison dans un coin de ciel bleu. Elle a été et en abandon depuis le jour de nos adieux. Les oiseaux chantent et dansent dans l'air frais du matin. Je respire enfin l'air pur et là les fleurs de mon jardin. Voilà. Pour conclure cette merveilleuse émission de l'écho de mon village, nous allons faire une deuxième danse. C'est un Michael Swing. Cinq, six, sept, huit, je cherche une femme et aux yeux bleus et avec des beaux cheveux blancs, puis je la prendrai dans mes bras et je lui dirai tout bas que je cherche une femme et aux yeux bleus. Mais maintenant pour moi tout a changé, j'ai perdu la seule que j'ai aimée. Mais je sais bien qu'un jour elle me reviendra et elle sera ma femme et aux yeux bleus.